Hello à tous, c'est Florian, j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale Noël. Si j'ai mis mon bonnet de Père Noël, c'est pas que pour faire joli, c'est que j'ai un petit cadeau pour vous également à la fin de cette vidéo. En attendant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer une introduction d'un morceau de Noël vraiment mondialement connu. Mais c'est une introduction d'un morceau qui contient que 4 accords, qui sonne un petit peu jazz, et après je vais vous expliquer comment improviser par-dessus. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Voilà, vidéo spéciale Noël. J'aime bien cette période de l'année parce qu'il y a vraiment de la musique qu'on entend que à cette période-là. Il y a une musique en particulier qu'on entend vraiment à chaque fois et qui fait comme ceci. Voilà, vous avez reconnu, c'est l'intro de All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. C'est vraiment la musique que j'entends vraiment qu'à Noël et je l'adore. Et je me suis rendu compte que cette intro était du coup incroyablement bien construite et elle est parfaite pour improviser en jazz. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment est construite l'intro, on va la jouer et après je vais vous donner 2-3 petites astuces pour improviser par-dessus. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous montrer la main gauche, comment est-ce qu'elle est construite? Donc elle est constituée de 4 accords. Il y a l'accord de Mi bémol majeur avec la 7e majeure. On peut très bien lâcher la quinte si c'est trop difficile pour vous de jouer les 4 notes. On peut le faire comme ceci. Ensuite, le deuxième accord, c'est l'accord Do mineur 7e. Comme ceci, on va lâcher la quinte pour aérer un peu plus. Ensuite, on va avoir l'accord de Fa mineur, de nouveau sans la quinte. Et pour terminer, on va avoir l'accord de Si bémol 7. Donc on se rend compte qu'on est dans une structure qui s'appelle l'anatole. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Donc c'est vraiment une suite d'accords hyper jazz qui est utilisée vraiment dans tous les morceaux de jazz qu'on retrouve régulièrement. Donc c'est 1, 6, 2... et 5. Si on devait mettre dans la gamme demi bémol majeur, on serait premier degré, sixième degré, deuxième degré et cinquième degré. Donc entraînez-vous déjà à jouer cette main gauche là correctement. Par contre, la main droite, elle va jouer autour de ces notes là. Donc pour l'accord de mi bémol, on va commencer par un arpège de mi bémol septième. Comme ceci. Donc moi, je joue en général avec ce doigté-là, avec le quatrième. Là, je me force un peu à étirer le quatrième doigt pour choper le ré. Pourquoi? Parce qu'après, il faut aller sur le mi bémol avec le petit doigt. Et ensuite, on va rester avec le ré, si bémol et sol. Donc là, on se rend compte que le si bémol et le sol sont les notes de l'accord. Le ré, c'est ce qu'on appelle la 9e de l'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, et c'est pour ça que ça sonne vraiment hyper jazz. Parce qu'on a non seulement la 7e et la 9e. Donc déjà, si je fais la mélodie sur ces 2 premiers accords, ça nous fait ça. Et le dernier accord, c'est un accord suspendu qui fait comme ceci. Voilà. Ou en jazz, on pourrait l'appeler Fa mineur 7 avec la 11e. La 11e par rapport à Fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Mais c'est un accord suspendu. Et qu'on va résoudre sur l'accord de Si bémol 7e. Donc si je fais tout à la fois, ça nous fait ça. Voilà, j'aime bien faire un autre accord suspendu, c'est ce qu'on appelle un accord de si bémol sus 4, qu'on résout sur la tierce. Donc ça c'est pour l'intro, entraînez-vous déjà à jouer comme ceci, cette introduction. Une fois que vous arriverez à faire ça, je vais vous montrer une petite technique pour improviser avec la main gauche.
Donc, je vous l'avais montré avant, on est dans une gamme de mi bémol. Comme ceci, on a donc trois bémols, mi bémol, la bémol et si bémol. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est improviser tout simplement sur cette gamme-là, sur les accords de la main gauche. Comme ceci, en improvisant avec la main droite. Et voilà, ça sonne vraiment hyper cool. Une autre chose, c'est que comme on est dans une gamme de mi bémol, on peut également se permettre de prendre la gamme relative mineure, donc celle qui est une tierce mineure en dessous, pour jouer la gamme blues. La gamme blues de Do, du coup, passe très très bien également sur cette suite d'accords. Comme ceci. Et donc une fois que vous maîtrisez la gamme normale et la gamme blues, vous pouvez la mélanger un petit peu à votre convenance. Et voilà. Et donc quand vous jouerez ce morceau-là, vous pourrez commencer par faire l'intro. Et ensuite, improviser. Comme ceci, par la suite. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc maintenant, j'ai un petit cadeau pour vous, comme je vous l'avais dit en introduction. Il s'agit en fait d'un cours d'environ 15-20 minutes de jazz, totalement gratuit pour débutants, dans lequel je vais vous expliquer comment construire des accords à la main gauche jazz et comment improviser à la main droite avec 2-3 techniques, ainsi que 2-3 petits travails de rythme. Donc si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous mettre au jazz, eh bien n'hésitez pas, le cours est totalement gratuit, il est en description. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, profitez bien, fêtez bien, et on se retrouve l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien !